Allô? Sarah, chérie, il faut que je parle à ton papa. Oncle Tommy, il est quelle heure? Je dois parler à ton père, il y a des... Oncle Tommy? Allô? Et qu'est-ce qui se passe? Ah mince! J'ai oublié de lui donner ça. Il marche pas. Papa? Tu es là? Les émeutes sont en fait liées à la pandémie qui frappe tout le pays. Qu'est-ce qui s'est passé? D'après nos sources, les patients souffrant de l'infection montrent des signes croissants d'agressivité. Vous pouvez évacuer tout le monde, il y a une fuite de gaz. Hey, on dirait qu'il se passe quelque chose derrière nous. C'est pas ici. C'est son téléphone. Lui t'appelle en absence. Mais où est-ce que t'es? Appelle-moi. J'arrive bientôt. Te voilà. Sarah, tu vas bien? Ouais. Est-ce que quelqu'un est venu? Non, quelqu'un devait passer. N'approche pas des portes. Ne bouge pas d'ici. Papa, tu commences à me faire peur. Qu'est-ce qui se passe? C'est les Cooper. Il y a un truc qui cloche. Je crois qu'ils sont malades. Quelle maladie? Putain! Jimmy! Papa! Chérie, viens là, viens là. Jimmy! Jimmy! Jimmy, je te préviens! Sors! Allez! Allez! Sarah. Je l'ai vu ce matin. Écoute-moi. La situation devient trop dangereuse. Il faut qu'on s'en aille d'ici, tu m'as bien compris? Oui. Tommy, allez. Allez. On peut dire ça. Où t'étais passé? T'es au courant de ce qui se passe dans quoi? Tirons-nous d'ici. Putain de merde. T'as du sang partout sur toi. S'il te plaît.
paraît que la moitié de la ville a perdu les pédales. Une sorte de parasite ou je sais pas quoi. Hé, hey, Sarah. Comment ça va, chérie? Ça va. On peut allumer la radio? Ouais, bien sûr. Merci. Pas de portable, pas de radio. Ouais, tout se passe bien. Il y a une minute, le journaliste s'arrêtait plus. Ils ont dit où aller? Il disait... l'armée installe des barrages sur la nationale. On rentre plus dans le comté de Travis. Ça veut dire qu'on doit les camper d'ici. Prends la 60-61, c'est la durée. Ils ont dit le nombre de morts? Sûrement un paquet. Toute la famille a été retrouvée mutilée dans sa maison. Ouais. Nom de Dieu, comment c'est arrivé? Personne ne sait. Mais c'est pas seulement ici. Au début, ils parlaient juste du sud. Maintenant, ils parlent de la côte est, de la côte ouest. C'est la ferme de Louis. J'espère que cet enfoiré s'en est tiré. Je m'en fais pas pour lui. On est malade? Non, bien sûr que non. Comment tu le sais? Il disait que c'était des gens de la ville. Tout va bien. Jimmy ne travaillait pas en ville? Si, c'est ça. Alors tout va bien. Voyons ce qu'ils veulent. Qu'est-ce que tu fabriques? Continue! Ils ont un gosse, Joël. Nous aussi. Mais on a de la place. Continue, Tommy. Vous n'avez rien vu. Quelqu'un d'autre passe. On aurait dû les aider. On va s'en sortir, c'est promis.
Par ici! Dans l'allée! On y est presque. On y est presque, mon cœur. Allez! Joël! Soigne-toi! On y est presque. On a besoin d'aide. Stop ! S'il vous plaît ! C'est ma fille. Je crois que sa jambe est cassée. N'avancez pas ! Ok. Nous ne sommes pas malades. J'ai deux civils dans le périmètre extérieur. Quels sont vos ordres ? Papa, où est oncle Tommy ? On va te mettre à l'abri et on reviendra te chercher. Ok ? Chef, il y a une petite fille. Mais... Oui, chef. Écoutez, on vient de vivre un cauchemar, ok ? On veut juste... Oh merde. Je vous en prie. Oh non. Sarah. Ok. Enlève tes mains, chérie. Je sais, chérie, je sais. Non. Écoute-moi, je sais que t'as mal. Ça va aller, chérie, reste avec moi. Allez, je vais te soulever. Je sais, chérie, je sais que t'as mal. Allez, chérie, je t'en prie. Je sais, chérie, je sais. Sarah. Chérie. Ne fais pas ça, chérie, ne fais pas ça. Allez. Non. Non. Non, non, pitié. Oh Dieu. Pitié, pitié, pas ça. Pitié. Nous avons désormais franchi la barre des 200 morts. Le gouverneur a déclaré l'état d'urgence. Il y avait des centaines et des centaines de cadavres dans les rues. Le monde entier a cédé à la panique lorsque l'Organisation mondiale de la santé a indiqué que les derniers tests de vaccination avaient échoué. Le pouvoir n'étant plus aux mains des bureaucrates, nous allons prendre les mesures nécessaires pour protéger nos citoyens. Los Angeles est désormais la dernière ville à être placée sous loi martiale. Tous les habitants sont priés de se présenter dans leur zone de quarantaine. Les rations... Le poste 5 est ouvert. On n'a que quelques heures avant le couvre-feu. On fera bien de se manier. Quoi ? T'es sérieuse ? J'ai reçu les foutus papiers ce matin. J'ai été choisie pour travailler. Madame, quand les rations sont là,
On dirait qu'il y a toujours de nouveaux infectés. Ça veut dire qu'il y en a encore qui sortent de la zone. Salut, Zoé. Ils les ont lâchés. Toutes les squads ? Ouais. Nous ai eu de nouveaux papiers. Ils ne devraient pas avoir de problème là-haut. Ils voulaient se venger. Si jamais les rebelles prennent le contrôle de la zone, on finira comme eux. Ça n'arrivera jamais ici. Comme les connards qui osent me regarder de travers. Ils devaient dire la même chose dans toutes les zones de quarantaine où des émeutes ont éclaté. C'est ces foutus lucioles. Ils sèment le trouble parmi les habitants. Faut les anéantir, c'est la seule solution. Circulez. J'ai pris ma journée. Je vais voir un ami. C'est bon. Vous pouvez passer. Fermez tout. Joël, on y va. Allez. L'obligation d'évacuer les environs immédiatement. On dirait que la voie est libre. Attention, le poste de contrôle 5 est fermé jusqu'à nouvel ordre. Tous les civils ont l'obligation d'évacuer les environs. Ça aurait été trop beau. Rafistole-toi, ok ? Fermer tous les postes de contrôle. Il va falloir qu'on fasse le tour par l'extérieur. Par l'extérieur. Ou alors, on laisse Robert s'en tirer. C'est ça. Hey Tess, t'as vu ce bordel ? J'y étais. Ça donne quoi dans le tunnel Est ? RAS. J'y suis passé. Aucune patrouille. Où est-ce que vous allez ? On va rendre visite à Robert. Vous aussi ? Qui d'autre s'intéresse à lui ? Marlène. Elle se renseigne à droite à gauche pour le trouver. Marlène ? Pourquoi les Lucioles voudraient trouver Robert ? Elle m'a rien dit. Bon, et qu'est-ce que tu lui as dit ? La vérité. Je sais pas où il se planque. Bien joué. Évite de t'attirer des ennuis, d'accord ? L'armée va bientôt débarquer en force. Ouais, à plus tard. Marlène qui cherche Robert ? Qu'est-ce que t'en penses ? J'aime pas ça. On ferait bien de le retrouver avant les Lucioles. C'est nous. Salut les gars, comment ça va ? Comment ça va être bordel dehors ? Comment ça se passe ici ? Ah, c'est calme. Aucun signe de soldat ou d'infecté. Ça fait plaisir à entendre. Joël, tu peux m'aider à pousser ça ? Vraiment faire gaffe à ce qu'ils jettent ici. Que la lumière soit. Allons prendre notre matos. Nos sacs sont là depuis la dernière fois. Pas beaucoup de munitions. Les gaspille pas, alors. Ok, le Texan. Fais-moi grimper.
prêt. Bien, madame. Allez. Sois prudente. Je le suis toujours, non? C'est une question piège? J'étais pas venu ici depuis un bail. On dirait un rancard. Ouais, ben je suis du genre romantique. T'as d'autres atouts. Elle est où, l'échelle? Elle doit être quelque part dans le coin. Je l'ai! Super, apporte-la ici. Honneur aux dames. Dame? Tu dois me confondre avec quelqu'un d'autre. Tout est relatif. Par ici. Faut descendre par là. Je crois que Robert a toujours nos armes. J'espère. Pour son bien. Une fois qu'on aura notre marchandise, on devrait pouvoir l'écouler facilement. En parlant de marchandises, quand est la prochaine livraison? On voit Bill le mois prochain. A priori, on aura des médicaments et des tonnes de munitions. Attends, des sports. Putain, mais d'où est-ce qu'elles sortent? Il n'y avait rien la dernière fois. Quelque chose. Sois prudent. Voilà ce qu'on cherchait. Le corps n'est pas très vieux. On ferait mieux d'ouvrir l'œil et de temps. Ouais, on devrait pouvoir passer par là. Ça va? Ouais. Ce plafond est un vrai gruyère. Attention. Par ici. Doucement. Putain! Attention, attention! Aidez-moi. Mon masque pété. Ne me laissez pas muter. Pitié. Qu'est-ce que tu veux faire? En route. Shh.
on s'y prenne comment? Pas mal. Désinfecter, c'est de s'infiltrer dans la zone. Même si tout le monde se plaint. Chose que j'aime ici, c'est ça. J'ai horreur de l'odeur qui revient. T'auras qu'à demander du désodorisant à Bill. Ce serait une bonne idée. Par ici. Couvre l'entrée. C'est bon. J'ai tombé. Tu peux y aller? Ouais, j'y vais. Passer cette planche. Vas-y, passe-la moi. C'est un peu lourd. Je devrais pouvoir m'en sortir. D'accord.
Ramène tes fesses, on y va. Assurons-nous qu'il n'y a pas de soldats ici. C'est bon, on y va. Hé, petit. Regarde si la voie est libre. Pas de soldats, pas d'homme de Robert, ok? Tu sais qu'il nous attend. Eh ben, ce sera plus intéressant. C'est bon. Allez. Pas de carte de rationnement, pas la peine de me faire perdre mon temps. Je suis pas là pour faire du troc avec des balles. Maniez-vous, on crève de faim. On se calme. Si tu touches, tu payes. C'est qui ? Peut-être, je cherche pas. Là. Je cherche Robert. Vous l'auriez pas vu ? Il y a une demi-heure. Il est retourné au quai. Il y a encore. C'est parti. Faut qu'on passe. On vous fera pas de mal. On veut juste Robert. Ne faites pas ça. Hors de question que je parte sans Robert. Hey, je vais vous défoncer le crâne si vous dégagez.